Sur la chaire d'histoire et tradition des textes littéraires, c'est un latiniste, initialement spécialisé dans la littérature du Bas-Empire, qui a été porté. Le fait vaut d'être souligné, car les chartistes sont peu nombreux dans les temps actuels à fréquenter cette période d'où le Moyen-Âge est issu. Je formerai une deuxième observation. François Ploton-Nicolet n'est pas issu des milieux professionnels de la conservation, mais de l'université. À l'inverse peut-être d'un conservateur au département des manuscrits, il aura tendance, sinon à privilégier le contenu sur le contenant, du moins à organiser autrement les séquences de sa réflexion. Tout ceci pour dire que la chaire dont il est désormais titulaire offre un panorama varié et renouvelable à l'image des deux millénaires d'écriture latine, de manuscrits et de livres imprimés dont nous sommes les héritiers. Par votre personnalité et par vos goûts, vous apporterez aux recherches de l'école un ferment actif. Si j'évoque le latin alors que le champ de votre chaire couvre aussi la littérature romane, ce n'est pas seulement parce que vous êtes latiniste par spécialité, mais parce que le latin me paraît au cœur de l'enseignement de l'école, qu'il a marqué son visage d'une originalité si profonde qu'à l'extérieur de celle-ci, il correspond pour beaucoup, à tort ou à raison, aux critères absolus de sa personnalité. Nul n'ignore par exemple l'importance qui est accordée ici, dès le concours d'entrée, à la capacité de lire de façon cursive des textes classiques puis médiévaux. Elle place le jeune chartiste à un niveau de compétence qui le rapproche des meilleurs collèges d'Oxford, de Cambridge, d'Harvard et de Yale. Elle lui permet, dans les domaines qui sont les siens, de l'archéologie à l'histoire religieuse, de l'histoire du droit à l'histoire de l'art, de questionner le passé de façon nouvelle par le moyen de sources qui ne sont plus exploitables par beaucoup. C'est ici que se pose la question incontournable de l'enseignement des langues anciennes au lycée et au collège et au lycée. Sans entrer dans des débats plus généraux et parfaitement légitimes sur l'intérêt d'enseigner une langue qui occupe encore la deuxième place après l'anglais dans le cursus du secondaire, je voudrais seulement énoncer que si l'école ne recrutait plus des chartistes préalablement formés au latin, il ne serait plus possible de communiquer au plus grand nombre les réalités historiques, littéraires et artistiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge que nos contemporains veulent connaître et apprécier. Comptons sur la sagesse du politique pour trouver des solutions qui permettront de mettre en adéquation la formation initiale et les besoins. Pour autant, la communauté des chercheurs et des conservateurs ne pourra pas s'exonérer d'une tâche incontournable, justifier pourquoi il faut garantir un haut niveau de spécialité qui assure aux citoyens un accès facile à ce patrimoine dont ils souhaitent apprécier la richesse et la beauté. Il nous appartient, par notre travail et notre exemple, de l'expliquer. Il appartient aussi d'étendre le champ de nos recherches dans l'intérêt général. La masse énorme des livres publiés du XVIe au XIXe siècle en langue latine est considérable. Elle concerne autant l'histoire de la pensée que les arts, les sciences et les techniques. Ces ouvrages étaient, à l'époque moderne, ceux que véhiculait la République des Lettres à travers l'Europe, mais aussi l'Amérique et l'Asie. Ils donnent l'image d'une vie internationale aussi dynamique que celle des échanges commerciaux et politiques. Qui lit aujourd'hui ces ouvrages enfouis dans les bibliothèques? Qui en exploite le contenu à des fins historiennes? Qui en explique le contenu à nos concitoyens pour faire comprendre l'archéologie du savoir et de la pensée? En s'intéressant aux écrits néo-latins de l'époque moderne et de l'époque savante d'avant 1914, l'école trouverait l'occasion de positionner l'histoire de la France, qu'elle privilégie par nécessité professionnelle, dans une problématique et des réseaux internationaux. Elle justifierait sa mission fondatrice, donner accès à des sources nouvelles. Cher François Ploton-Nicolet, je vous laisse la parole. Merci infiniment, monsieur le directeur. Merci pour ces perspectives que vous ouvrez à la littérature latine
dans cette école. Vous savez, parce qu'il y a de nombreuses années que nous échangeons sur ces thèmes, à quel point mon sentiment rejoint le vôtre. Et puis, je tiens enfin à vous remercier personnellement pour l'accueil que vous m'avez réservé depuis la dernière rentrée. Chers collègues d'ici et d'ailleurs, chers confrères et futurs confrères, chers amis, je voudrais commencer ce propos en remerciant très sincèrement le conseil scientifique de cette école pour l'honneur qu'il m'a fait il y a quelques mois en arrêtant son choix sur la candidature que je lui avais présentée. Je trouve aussi l'occasion de remercier ici mes collègues et les élèves de cette école pour l'accueil chaleureux et amical qu'ils m'ont réservé, non seulement depuis la dernière rentrée académique, mais au long des 7 années que j'avais préalablement passées auprès d'eux comme enseignant auxiliaire. Et je suis conscient du privilège qui est le mien de pouvoir exprimer cette gratitude lors d'une leçon inaugurale, tout en ayant déjà pu l'éprouver depuis si longtemps. Il y aura de cela 78 ans demain, le 3 novembre 1937. Un prédécesseur dont je me sens bien indigne de recueillir aujourd'hui l'héritage, Robert Bossuat, s'est livré au même exercice que moi et commençait sa leçon d'ouverture sur ces mots. Il est légitime d'attendre d'une leçon d'ouverture qu'elle apporte des précisions sur la nature et sur la forme de l'enseignement qu'elle inaugure. C'est une utile précaution que d'avertir ses auditeurs de ce qu'on prétend leur apprendre et de faciliter ainsi leurs premiers pas dans un domaine qui leur est parfois étranger. Mais si cette introduction à l'étude d'une science déterminée n'apparaît pas absolument nécessaire dans le cas habituel d'un simple changement de personne, elle devient indispensable quand l'installation d'un nouveau titulaire coïncide avec une modification de l'enseignement. C'est qu'il se trouvait dans une situation fort différente de la mienne. Par un décret du 4 juin 1937, signé de la main d'un ministre d'éducation nationale, dont l'ancien Orléanais, que je suis à plaisir à prononcer le nom, Jean Zay, la chaire d'études critiques des sources de l'histoire de France prenait un nouvel intitulé « Sources narratives et littéraires de l'histoire de France », ce qui constituait un infléchissement notoire de cet enseignement vers les belles lettres, jusque-là quelque peu négligé dans la formation des élèves de l'école des Chartes. Ce changement allait être confirmé dans la suite par les enseignements d'André Vernet et de Pascal Bourguin. La situation d'aujourd'hui est toute différente, puisque la chaire que nous inaugurons conserve le libellé « Histoire et tradition manuscrite des textes littéraires » qui a été le sien au long des 37 années où elle a été occupée par Pascal Bourguin, avec l'érudition, le rayonnement que l'on sait, la curiosité intellectuelle qui la caractérise, la gentillesse et l'élégance que l'on connaît. Les enseignements qui en relèvent devraient rester organisés autour des 4 mêmes disciplines, la linguistique latine, dans sa profondeur diachronique, depuis la latinité classique, ou du moins tardive, jusqu'aux temps modernes, l'histoire de la littérature occidentale sur la même période, unissant solidement l'antiquité tardive à la Renaissance et à l'âge classique, autour du pivot central que constitue le Moyen-Âge, l'ecdotique des textes latins, enfin la codicologie et l'histoire du livre médiéval. Ajoutons à cela que je succède aujourd'hui à celle à qui je dois le peu que je sais dans ces domaines, conscient de la difficulté qu'il y a
à recueillir l'héritage d'un pareil maître, m'ai tranquillisé dès l'abord par la certitude que je ne pourrais de toute manière jamais l'égaler. Disons encore que j'ai eu l'occasion d'enseigner aux côtés de Pascal Bourguin pendant les 7 dernières années, d'apprendre à connaître son enseignement, tandis que les élèves se sont peut-être habitués au mien. C'est peut-être enfin le lieu de trahir un secret de Polichinelle. Pascal Bourguin, comme tant d'autres, a été l'élève d'Ulysse Nicolet, qui est mon aïeul, mais qui fut aussi mon maître, et dont je serai, avec votre départ, cher Pascal, le dernier disciple à enseigner en ces lieux, après tant d'autres, et combien plus illustres. C'est dire si cette inauguration se fait sous le signe de la continuité, c'est dire que cette inauguration n'en est pas vraiment une. Qu'on ne se scandalise donc pas si je saisis le privilège d'exemption que me confère Robert Bossuat par-delà les générations pour épargner à mon auditoire un discours programmatique qui ne lui aurait probablement rien appris. Il m'a semblé qu'il lui serait peut-être plus agréable que je procédasse par l'exemple en montrant l'origine, la permanence et la diffusion d'un motif narratif. Presque un conte, genre littéraire, cher à Pascal Bourguin et à mon ami Jacques Berlioz. La trame en est la suivante, elle est simple. Une mère, pour des raisons qui peuvent varier, désavoue son fils. Celui-ci demande justice au souverain, qui, pour contraindre la vérité à se faire jour, décide de marier les deux personnages, forçant par là la mère, pour éviter l'inceste, à reconnaître son fils. Ce thème ne me semble jamais avoir été relevé en tant que tel, ce qui s'explique probablement par les caractéristiques de sa diffusion, limitée apparemment pour ce qui est du nombre d'occurrences, mais beaucoup nous échappent peut-être, et de toute manière assez spectaculaire si l'on regarde la variété des époques et des domaines linguistiques où il paraît. Je voudrais tâcher d'en montrer l'histoire, depuis la latinité classique, probablement influencée par un thème biblique, jusqu'à l'époque baroque, en passant par la latinité tardive et par la littérature sapientiale de l'islam classique. Ce qui me semble pouvoir fournir le prétexte à une promenade littéraire à travers des genres et des époques variées, selon le principe de la temporalité longue que l'école des Chartres affectionne particulièrement. Mais ne perdant pas de vue qu'il s'agit d'une leçon, disons dès maintenant que la transmission de ce motif peut à bien des égards passer pour un cas exemplaire et qu'il devrait permettre de tirer in fine quelques conseils de méthode à destination des élèves pour qui cette séance se tient au premier chef. Prenons comme point de départ la vie de Claude de Suétone. Le chapitre 15 de la vie de Claude est entièrement composé d'anecdotes relatives à la manière dont il rendait la justice. Et la troisième est celle qui retient ici notre attention. Comme une femme refusait de reconnaître son fils et que les arguments fournis de part et d'autre étaient contestables, il lui arracha la vérité en lui ordonnant d'épouser le jeune homme. Le style est marqué par la brièveté, par une absence absolue de contextualisation. On ignore en particulier tout des raisons qui poussent la mère à renier son fils. On peut supposer qu'elle est veuve et souhaite se remarier en étant en mesure d'apporter son patrimoine à son second époux. En tout cas, c'est l'interprétation qui en sera faite par plusieurs autres auteurs au cours de la réception de ce fragment, ce passage. Il y a en tout cas de fortes chances qu'elle ait voulu priver son fils de son héritage, et c'est l'interprétation
qu'en donnent les critiques modernes, y compris ceux de l'œuvre de Suétone. Il me semble important de relever la structure du chapitre 15 dans lequel apparaît ce passage. Il y a en tout 13 anecdotes, dont aucune n'est confirmée par les autres sources que l'on peut avoir à disposition, à une exception. Le fait que Claude, en justice, donnait toujours raison aux présents contre les absents. Là-dessus, on a aussi le témoignage de Dion Cassius, mais c'est un témoignage plus tardif. Le fait que les informations livrées par Suétone ne sont pas confirmées par ailleurs, n'infirment pas, à proprement parler, son témoignage, mais invite à la prudence. Par ailleurs, les études critiques sur la méthode historique, notamment les travaux de Jacques Gascou, ont montré le caractère très stylisé de ce chapitre, composé de 3 anecdotes destinées à montrer la perspicacité de Claude en tant que juge, puis de 4 détails prouvant au contraire son étourderie, voire, dans un cas au moins, sa démence. Et le tout procède d'une volonté de montrer des tendances contradictoires, voire dans certains cas, d'une démarche d'objectivité feinte dans un équilibre entre le bien et le mal. On sait par ailleurs tout ce que les vies de Suétone comportent d'erreurs historiques, de confusion. On connaît ces tendances pamphlétaires qui ont été relevées par la critique philologique, y compris dans le passage qui nous intéresse. Et ceci, une fois encore, invite à regarder avec suspicion la véracité de notre anecdote. Mais si elle n'est pas authentique, on pourrait légitimement se demander d'où elle provient. De l'imagination du biographe ou d'un autre récit. La critique philologique a cherché à répondre à cette question en recherchant les parallèles dans d'autres œuvres latines à peu près contemporaines. Et il faut avouer que la moisson a été peu abondante. Le seul parallèle qui puisse tenir étant une déclamation. Alors, les déclamations, ce sont ces exercices scolaires de rhétorique sur des sujets variés. On en garde 2 corpus, les déclamations majeures, les déclamations mineures, tous deux attribués traditionnellement, mais à tort, à Quintilien. Et l'une des déclamations mineures, la déclamation mineure 306, porte sur le sujet suivant. Un jeune aventurier prétendait qu'une riche femme était sa mère pour gagner son héritage. Il part à la guerre et fait preuve d'une grande vaillance pour laquelle on lui promet une récompense. À son retour, il demande en mariage la femme qu'il prétendait sa mère. On a le motif de la captation d'héritage, mais il est absent chez Suétone, comme on l'a remarqué tout à l'heure. Il est simplement supposé. On a le motif du mariage avec une femme que le héros prétend être sa mère, mais qui ne l'est pas en fait. Généralement, la critique philologique s'est accordée à considérer qu'il y avait là un lien entre ce texte et celui de Suétone, sans qu'on sache lequel a influencé l'autre. Question d'autant plus délicate qu'on ignore l'identité de l'auteur de cette déclamation et donc la date de composition des déclamations mineures. Mais en fait, à bien y regarder, l'histoire que mentionne cette déclamation est assez différente de l'anecdote suétonienne. Il y manque en particulier l'acte central qui est le jugement souverain. Il y a en revanche un autre jugement du prince, bien plus célèbre, qui comporte des points communs avec celui de Claude. Mais il faut aller le chercher assez loin. C'est le récit biblique du jugement de Salomon au 3e livre des rois. Il était trop long pour que
je le fisse figurer sur cette diapositive. Mais vous le connaissez tous. Deux prostituées, ayant toutes deux accouché récemment, se présentent au roi. Le fils de l'une est mort, le fils de l'autre est vivant. Chacune prétend être la mère de celui qui est vivant et demande au roi de le lui remettre. Ne pouvant trouver la vérité autrement, le roi se fait apporter une épée pour trancher l'enfant en deux et en remettre une moitié à chacune. Alors, l'une des femmes implore le roi de n'en rien faire et de remettre le nourrisson à sa rivale. Inversement, l'autre réclame opiniâtrement sa moitié. Alors le roi sait que la vraie mère est celle qui aime son fils au point de le préférer vivant, fût-il confié à une autre, et c'est à elle qu'il fait remettre l'enfant. À vrai dire, la situation familiale évoquée dans cette péricope biblique est fort différente de celle que décrit Suétone. Mais le principe typologique est le même. Il s'agit dans les deux cas d'un jugement du prince. Celui-ci se trouve dans la même situation, de part et d'autre, devant deux allégations contradictoires, il ne parvient pas à trouver la vérité. Dans les deux cas, il prend une décision absurde en apparence, mais qui va susciter une réaction d'horreur chez l'une des deux parties parce qu'elle va à l'encontre des lois de la nature. Une mère ne peut pas laisser tuer son enfant, une mère ne peut pas épouser son enfant. Et cette réaction d'horreur fait éclater la vérité au grand jour. À vrai dire, ces deux histoires mériteraient d'être étudiées en miroir. Un enfant sur-revendiqué d'un côté, hyper-revendiqué, dans la péricope biblique, un enfant renié de l'autre. Mais dans les deux cas, on est face à une impossibilité naturelle. Un enfant qui a deux mères d'un côté, un enfant qui n'a pas de mère de l'autre. Un dernier point que l'on oublie souvent de mentionner, peut-être par pruderie, dans le jugement de Salomon, offre un point de convergence intéressant. Les deux femmes qui se disputent l'enfant devant Salomon étaient des prostituées. Or, justement, un peu plus loin dans le chapitre 15, Suétone mentionne une curieuse anecdote dans la liste des excentricités de Claude qui lui ont valu des manques d'égard et parfois des actes violents. Suétone mentionne le fait que Claude a été frappé par un chevalier face à qui on produisait le témoignage de prostituée et qui s'en sentait évidemment offensé et d'autant plus embarrassé que ce témoignage lui était contraire. Ce n'est pas à proprement parler une preuve, mais la mention de prostituée témoignant ou estant en justice me semble être un fait suffisamment rare pour être relevé dans les deux passages. Autrement dit, si Suétone avait eu connaissance de cette péricope biblique, il en aurait tiré deux mentions à l'intérieur d'un même chapitre. La question, c'est de savoir si Suétone peut avoir écrit de manière antitypique le récit biblique. L'idée serait séduisante, mais il faudra encore savoir comment il aurait pu en avoir connaissance. Parce que, à ce qu'on sache, Suétone n'a pas lu la Bible. Il y a en revanche un auteur par l'intermédiaire duquel il pourrait avoir connu ce récit. C'est Flavius Joseph, auteur juif de langue grecque, rallié tardivement à Rome après la guerre des Juifs, à laquelle il a consacré une œuvre, acquis à la cause des Flaviens, qu'il suit à Rome et dont il fréquente la cour à partir de 71. Dans ces antiquités judaïques, qui sont une histoire du peuple juif adaptée aux mentalités romaines, Joseph raconte l'épisode du jugement de Salomon au livre 8. Avec quelques variantes par rapport au récit biblique, je crois qu'il vaut mieux en épargner la liste.
Mais on verra que quelques détails de ces variantes pourront nous servir par la suite. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir si Suétone pouvait connaître l'œuvre de Flavius Josèphe. Et ça, pour ne rien cacher, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Suétone mentionne Flavius Josèphe, mais il le mentionne comme un personnage historique dans la vie de Vespasien, où il dit que Joseph aurait annoncé l'Empire à Vespasien de manière prophétique. Ça, c'est un passage qui a fait évidemment couler beaucoup d'encre. Pour le reste, la Quellenforschung traditionnelle a généralement considéré que Suétone n'avait aucune connaissance de l'œuvre de Joseph, qu'il ne le cite jamais, et que ses propres récits concordent très peu avec l'œuvre de Joseph. Mais plus récemment, les travaux de Jacques Gascou ont montré que certains indices extrêmement ténus, que je ne peux pas malheureusement détailler ici, montraient que Suétone devait avoir lu Joseph, mais qu'il ne le cite pas, préférant d'autres sources. Cette idée, à vrai dire, serait assez séduisante, parce que dans le cas qui nous intéresse, il convient de remarquer un léger détail mentionné par Joseph dans son récit, juste après la décision de Salomon de faire couper l'enfant en deux. Il fit venir l'un des gardes du corps et lui ordonna de tirer son glaive et de couper en deux l'un et l'autre enfant. Là-dessus, tout le peuple se gaussa discrètement de la puérilité du roi. Autrement dit, on raille Salomon qui, effectivement, prend une décision en apparence absurde. Les commentateurs de Flavius Joseph ont bien remarqué que Joseph n'ajoute ce détail du peuple ricaneur que pour mieux faire ressortir par contraste l'admiration qu'éprouvera plus tard le peuple à l'égard de la sagesse de Salomon, une fois qu'il aura compris la raison de sa décision. Mais ce détail du peuple ricaneur est absent du texte biblique. Or, précisément, comme on l'a vu, toute la fin du chapitre 15 de la vie de Claude est occupée par des anecdotes racontant les railleries et les manques d'égards que Claude s'attira par ses excentricités judiciaires. Il y a là, quoique dans un but radicalement opposé, une convergence supplémentaire entre Suétone et Joseph par rapport au récit biblique, et il se pourrait bien que ce soit une trace rarissime de l'utilisation de Joseph par Suétone. Mais jusqu'à plus ample informé, je m'abstiendrai d'affirmer positivement cela comme une certitude. C'était la première partie de mon propos. La deuxième portera sur l'anonyme de Valois et sur Guérin de Bouscal, deux œuvres sur lesquelles j'espère que personne ici n'a jamais eu de renseignements, car ce sont des œuvres extrêmement mineures, mais il y a tant à découvrir dans les œuvres mineures. Ce qui est sûr, c'est que l'anecdote suétonienne reparaîtra quatre siècles plus tard et dans une œuvre où l'on ne l'attendrait absolument pas. Il s'agit de l'anonyme de Valois. Et je suis heureux d'associer à cette partie de ce discours mon amie Anne-Sophie Joncou-Pilorget, qui a travaillé ce texte dans un beau mémoire de maîtrise, dont la lecture a été à l'origine de mon enquête. Je ne sais pas si elle nous a rejoint. Son époux est juste en face de moi. Peut-être nous regarde-t-elle depuis la salle d'en haut. L'anonyme de Valois, c'est une chronique compilée en Italie du Nord vers la moitié du VIe siècle, ou plutôt, comme la critique textuelle l'a montré de plus, un assemblage de deux chroniques. L'une, la pars anteriore, relatant des événements correspondant au règne de Constantin pour les années 305-337, ce sont les dates régnales. L'autre, la pars postérieure, correspondant aux événements qui suivirent immédiatement la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire les années
474-526, autrement dit, le règne de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, d'Italie. L'essentiel de cette pars postérieure est consacré au règne de Théodoric, mais on trouve aussi diverses informations sur l'Empire d'Orient à la même époque, notamment sur les règnes de Zénon, d'Anastase et de Justin Ier. Alors, ce curieux assemblage a été conservé par deux manuscrits, l'un du IXe siècle, conservé à Berlin, l'autre du XIIe siècle, conservé à la Vatican. Et l'ensemble a été édité pour la première fois en 1636 par Henri de Valois, historiographe de Louis XIII, en appendice à sa magistrale édition de l'œuvre d'Amien Marcellin. Et c'est d'après le nom de cet érudit qui en a livré l'édition principale qu'on a pris l'habitude de nommer le texte. Comme la critique l'a déjà relevé depuis le XIXe siècle, le jugement de Claude rapporté par Suétone reparaît dans la pars postérieure de l'anonyme de Valois au paragraphe 61-62, mais au compte de la sagesse de Théodoric le Grand. Le texte est un peu long, je vais essayer d'en donner lecture quand même. À propos de Théodoric, il fit preuve d'une telle sagesse que quelques-unes des paroles qu'il prononça sont couramment tenues jusqu'à maintenant pour maximes. Un homme mourut et laissa une épouse et un tout jeune fils qui ne connaissait pas sa mère. Son tout jeune fils fut pris en charge par un tel, conduit dans une autre province et élevé. Devenu un jeune homme, il revient par un moyen quelconque vers sa mère. En fait, sa mère s'était déjà fiancée à un homme. À sa vue, la mère embrasse son fils, remerciant Dieu d'avoir revu son fils. Et il resta avec elle 30 jours. Et voici venir le fiancé de la mère, qui, en voyant le jeune homme, demande qui il était. Le style de cette chronique est un peu heurté, par un monument de la littérature. Elle répondit que c'était son fils. Il, c'est-à-dire le fiancé, commença à réclamer ses gages de fiançailles et à dire « Ou bien tu nies que c'est ton fils, ou bien je pars à coup sûr d'ici. » La femme est acculée par le fiancé et commence à renier son fils, qu'elle a elle-même auparavant reconnu, et à dire « Va-t'en, jeune homme de ma maison, parce que c'est en étranger que je t'ai recueilli. » Celui-là disait en effet qu'il était revenu vers sa mère dans la maison de son père. Pourquoi s'étendre ? Après ces événements, le fils fit appel au roi, c'est-à-dire Théodoric, contre sa mère. Le roi ordonna qu'elle comparût en sa présence. Il lui dit « Femme, ton fils fait appel contre toi, qu'en dis-tu ? Est-ce ton fils ou non ?» Elle dit « Ce n'est pas mon fils, mais un étranger que j'ai recueilli. » Et alors que le fils de la femme avait rapporté tout par le détail aux oreilles du roi, ce dernier interroge la femme de nouveau. « Est-ce ton fils ou non ?» Elle dit « Ce n'est pas mon fils. » Le roi lui dit « Et quelles sont tes ressources, femme ?» Elle répondit « Jusqu'à 1000 pièces d'or. » Et comme le roi promit sous serment que la c'était qu'elle le recevrait pour mari, lui et nul autre, alors la femme fut confondue et avoua que c'était son fils. Il s'agit bien de l'anecdote suétonienne, c'est indéniable. Mais elle est ici singulièrement amplifiée. Et de nombreux éléments de contextualisation sont ajoutés. J'y relève notamment les motivations de la mère pour rejeter son fils, c'est-à-dire la pression d'un fiancé. Les motivations de ce fiancé, des raisons pécuniaires. Et c'est ainsi probablement qu'il faut interpréter l'exigence de voir les gages de fiançailles immédiatement versés. Enfin, on remarque une certaine complexité psychologique absente chez Suétone, hein, la mère ayant d'abord reconnu son fils avec joie, mais cédant pour finir aux pressions de son fiancé. Poursuivons l'histoire du motif à une époque où elle est évidente et ne pose guère de problème d'interprétation, en tout cas pour ce qui concerne la transmission. Ça nous mène dans la France du XVIIe siècle et dans le monde de la tragicomédie baroque, chère à mon ami Alain Le Gallo. Heureuse époque, en vérité, que le XVIIe siècle, où la publication d'un récit inédit de l'Antiquité, fut-il une chronique obscure et anonyme, constituait
un événement littéraire. Henri de Valois publie son édition en 1636, 5 ans plus tard, un dramaturge mineur et peu connu, certes, mais non dénué de mérite, Guillon Guérin de Bouscal, s'empare de l'anecdote et compose une tragicomédie sous le titre « Le fils désavoué » ou « Le jugement de Théodoric, roi d'Italie ». Bon, Guérin de Bouscal nous a laissé une douzaine d'œuvres, hein, principalement des tragicomédies, des tragédies et des comédies, mais aussi une paraphrase psalmique dédiée à Mazarin et un roman. Je voudrais montrer ici à quel point cette anecdote, avec ce qu'elle suppose de quête d'identité, mais aussi de dénouement heureux, était propre à donner la matière d'une parfaite tragicomédie. À cet égard, c'est un très heureux hasard qu'Henri de Valois ait publié la chronique anonyme en 1636, à l'époque où le genre tragicomique connaissait probablement son plus vif succès. Hein. Le Cid est de 1637, l'illusion comique a été composée en 1635, créée en 1636, publiée en 1639. Voici la trame de cette belle tragicomédie. Théodoric entre à Rome après avoir pris Ravenne et en avoir chassé son rival, Odoacre, roi des Hérules. Le Sénat, pour lui présenter ses hommages, a député Boès, dont je ne mentionne pas le nom ici, sans une certaine émotion, ni sans une certaine compassion, pour les élèves de deuxième et de troisième année qui m'ont entendu parler longuement de son œuvre. Le voyant, Théodoric décide de faire de lui son ministre d'État, sic. Mais en fait, on n'est pas si loin de la vérité. C'est le rôle que Boès a tenté de jouer. Et la scène 4 de l'acte 1 est un très beau programme de gouvernement à deux. Théodoric dit à son ministre « Oui, je vous ai choisi pour le bien de la terre, pour dispenser au monde et la paix et la guerre, pour vous charger des soins que je ne puis porter, pour régner avec nous et pour nous assister. » Un peu plus loin. Ainsi, je crois qu'un jour, vos conseils et mes armes, au plus grand potentat donneront des alarmes, remettront cet empire en son premier éclat, c'est l'Empire romain, porteront loin du Rhin les bornes de l'État. On est en pleine guerre de 30 ans. Il est difficile de ne pas voir là un double portrait en creux, à vrai dire, de Louis XIII et de Richelieu, ainsi qu'une belle évocation de leur mode de gouvernement bicéphale. Ironie du sort, Richelieu mourra l'année suivante, en 1642. Louis XIII le suivra d'une année, en 1643. De même que Théodoric était mort en 1526, suivant de peu Boès, qu'il avait fait mettre à mort en 1524. Alors apparaît le héros, Saint-Déric. Saint-Déric est l'un des lieutenants de Théodoric. Il s'est plusieurs fois distingué au combat, et quoique jeune, il s'est élevé jusqu'au rang de préfet du prétoire, ce qui du point de vue historique est fantaisiste, à son âge et s'agissant d'un sujet go. L'un des officiers de Saint-Déric, au moment de mourir, lui a confié qu'il était non de sang gothique, comme tout le monde le croyait, mais issu d'une noble famille romaine, fils de Lépide et de Julie, le premier étant mort et la seconde une veuve encore jeune. Julie, quant à elle, est face à un choix cornélien, au sens propre ici. Veuve depuis peu d'un mari tyrannique, elle voudrait convoler une nouvelle fois avec Maxime, qu'elle aime et dont elle est aimée, mais elle voudrait aussi retrouver un fils que Lépide l'a contrainte à abandonner à la naissance parce qu'il craignait à tort de n'en pas être le père. Elle craint toutefois de se perdre de réputation en révélant ce secret et de compromettre ainsi son mariage avec Maxime. Telle est la tension dramatique qui sous-tend l'ensemble de la pièce. On le voit, et c'était attendu, la motivation pécuniaire du reniement présente chez l'anonyme de Valois, a cédé ici la place à la réputation,
à l'honneur aristocratique comme source de tension dramatique, pour s'adapter magistralement à l'un des ressorts classiques de la tragicomédie, autrement dit le conflit entre amour et honneur. On pense en particulier au Cid. En fait, à bien des égards, Julie est une nouvelle chimène. Comme elle tiraillait entre les liens du sang et les liens du cœur. Mais tandis que chez Chimène, le penchant naturel est pour Rodrigue, quand l'honneur commande l'obéissance à Don Gomez, de manière un peu plus inattendue, chez Julie, le devoir est du côté des liens du cœur, c'est Maxime, et l'inclination du côté des liens du sang, c'est son amour maternel pour Saint-Déric. Julie est donc une anti-Chimène, mais ce qui est commun aux deux pièces, c'est que le juste équilibre est incarné par le pouvoir royal, celui de Don Fernand, celui de Théodoric, qui sont les seuls à pouvoir imposer le dénouement heureux par un jugement souverain. Revenons à l'intrigue. Le jeune homme résout de se faire connaître à sa mère, mais sous un nom d'emprunt, on retrouve là le goût typiquement baroque pour l'identité cachée, pour le quiproquo. Pour se révéler sans brutalité, il va même jusqu'à raconter son histoire en prétendant que c'est le sujet d'une pièce de théâtre qu'il a vu jouer chez le roi. Le titre de cette pièce de théâtre est Le fils des avoués, c'est-à-dire le titre de la pièce dans laquelle on se trouve. Et là, on retrouve le goût baroque, encore une fois, pour la mise en abîme. On pense en particulier à l'illusion comique. À cette narration, Julie reconnaît son fils et tombe dans ses bras, mais immédiatement après l'avoir quitté, elle pense à Maxime et résout de désavouer Saint-Déric, précaution inutile en vérité, car Maxime a vu leurs effusions de tendresse et croit Julie volage, quoiqu'il doute un peu de ses sens. Cela aussi est très baroque. Il s'ensuit une altercation entre Maxime et Saint-Déric, qui débouche sur un duel entre les actes 3 et 4. Décidément, les échos du Cid sont partout. Duel ici du fils contre l'amant de la mère, duel là du père contre l'amant de la fille. Le jeu de miroir inversé se poursuit. L'acte 4 marque, comme bien souvent, l'acmé de la tension dramatique, marqué par les revirements de Julie en faveur de Saint-Déric, puis de Maxime. C'est Saint-Déric qui est sorti vainqueur du duel. Julie en prend prétexte pour embrasser la cause de Maxime. Entre-temps, Saint-Déric apprend que Maxime est l'amant de Julie, ce qu'il ignorait jusque-là. Il craint d'avoir offensé sa mère, résout de lui rendre visite pour lui demander pardon, mais elle le désavoue. Et à la fin de l'acte 4, Saint-Déric décide d'aller demander justice au roi. Sur ces entrefaites, Maxime apprend à son tour la vérité, à savoir que Saint-Déric n'est pas l'amant, mais le fils de Julie. Soulagé, il s'en veut de l'avoir injustement soupçonné d'infidélité. Puis on assiste à la confrontation devant Théodoric de Saint-Déric et de Julie. Le premier demande sa reconnaissance, la seconde le renie. Théodoric, dubitatif, délibère un instant avec Boès, qui lui conseille de porter l'affaire devant le Sénat. Alors ça, c'est une idée typiquement romaine, mais à vrai dire, un peu passée de mode à l'époque de Théodoric. Simplement, après avoir pensé quelques instants, Théodoric lui répond: il n'en est pas besoin, c'est-à-dire de porter l'affaire devant le Sénat. Je vois dedans mon âme la brillante clarté d'une secrète flamme, chasser l'ombre et l'erreur qui possédaient mes sens. Nos criminels, enfin, sont tous deux innocents. La rime ne passe plus maintenant. L'un cherche son honneur, l'autre craint l'infamie, et je sais le moyen de convaincre Julie. Il convoque donc Julie et feint de se rendre à ses arguments. En effet, sa poursuite, c'est-à-dire celle de Saint-Déric, le but de Saint-Déric, était sans fondement. Je reconnais bien, plus je vous considère, que Saint-Déric eut tort de vous choisir pour mère. Plutôt qu'aimer en vous une suite d'aïeux, il devait adorer les attraits de vos yeux. Et changeant en amour
cette amitié sévère, vous aimez comme amante et non pas comme mère. Puisque je suis certain de votre obéissance, je ne vous tiendrai point plus longtemps en balance. Ravi que Saint-Déric ne soit point votre fils, que les liens du sang ne vous aient point unis, par de puissants motifs d'amour et de justice, je veux, dès aujourd'hui, que l'hymen vous unisse. Julie essaye d'opposer divers arguments, elle n'aime pas Saint-Déric, elle s'est engagée auprès de Maxime, elle a reçu une offense de Saint-Déric, Théodoric les réfute tous. La dernière scène réunit tous les protagonistes autour du roi pour le dénouement. Saint-Déric et Maxime décident de vivre en paix, alors Julie cède. Le voici, c'en est fait, nature, je te cède. Plus loin, la honte m'a forcé à le désavouer. Plus loin, il est pourtant mon fils, je le sens, je l'éprouve, c'est-à-dire je l'éprouve. Je ne saurais le voir sans que mon cœur s'émeuve. Saint-Déric est mon fils, c'est un aveu, Seigneur, que ma bouche vous fait beaucoup moins que mon cœur. Tous les personnages louent et remercient Théodoric pour sa sagesse qui a fait leur bonheur. Et c'est à lui qu'appartient le mot de la fin, absolument magistral. Ne me regardez point dedans cette occurrence, comme le seul auteur de votre intelligence. Portez votre pensée en un plus digne lieu. Ce merveilleux décret est un œuvre de Dieu. Cette pièce représente le développement le plus large qu'à ma connaissance on ait jamais donné à l'anecdote suétonienne. Mais on voit que moyennant quelques ajustements, cette matière a convergé de manière spectaculaire avec un autre hypotexte qui sous-tend l'ensemble de la pièce, à savoir le modèle cornélien offert par le Cid. Là, deux textes qui scintillent. Les pouvoirs conciliés, l'anonyme de Valois et le Cid. Ça donne quand même une haute opinion de l'art de Guillaume Guérin de Bouscal, que je suis heureux d'avoir ressuscité aujourd'hui. Mais revenons à l'anonyme de Valois et à la question de ses sources. Et ce sera l'objet de la troisième et dernière partie de mon exposé, à savoir l'anonyme de Valois et les hadiths arabes. La Quellenforschung a considéré de manière unanime jusqu'à nos jours que l'anonyme de Valois, pour l'anecdote du jugement de Théodoric, dépendait directement de l'hypotexte suétonien. Je voudrais montrer ici qu'il n'en est rien en fait. Mais cela va nous contraindre à un détour exotique par la littérature arabe médiévale. Aussi souhaiterais-je dédier ce dernier développement à mon compatriote et ami Jacques Berlioz, notre ancien directeur, qui m'a accueilli ici à mon retour en 2008, avec une chaleur toute savoyarde, et dont on connaît l'intérêt pour les mille et une nuits et pour leur point de contact avec les contes occidentaux. L'anonyme de Valois avait-il lu Suétone ? Je le disais tout à l'heure, on considère généralement que oui, sur la base de trois arguments principaux. Premier argument, le soi-disant caractère résolument biographique de la seconde partie de la chronique, centré autour de la figure de Théodoric, qui correspondrait au modèle suétonien. Il est vrai qu'on trouve des tendances de fond, comme la volonté d'équilibrer le portrait du souverain. On a vu ça à l'œuvre dans la vie de Claude. C'est présent aussi dans l'anonyme de Valois. Il s'agit d'apporter, disons, des éléments à charge, des éléments à décharge, mais je dirais que cette convergence méthodologique qui devrait, à vrai dire, être à l'œuvre dans tout travail historique ne me semble pas suffisante pour affirmer la dépendance de l'anonyme de Valois vis-à-vis de Suétone. Deuxième point, la mention d'une comète qui annoncerait les actes de cruauté de Théodoric
au paragraphe 84 de l'Anonyme de Valois, et qui serait un écho de la comète qui, chez Suétone, annonce dans la vie de Néron le grand incendie de Rome. À vrai dire, une comète comme Omen Nefarium ne me semble pas être un motif si rare dans l'Antiquité qu'on doive en faire la preuve de la dépendance d'un texte à l'égard d'un autre. Troisième point, notre anecdote, qui me semble être le seul argument tenable. Jusqu'à plus ample informé. Pour le reste, ce qu'on sait des sources de l'anonyme oriente dans une toute autre direction. Comme l'a montré il y a une dizaine d'années, celui qui est peut-être le meilleur spécialiste français de l'anonyme de Valois, Michel Festi, dans les mélanges offerts au regretté Jean-Pierre Calus. Michel Festi, qui ne met pas en doute l'inspiration suétonienne de notre passage, s'en étonne, toutefois, parce qu'il a remarqué que l'essentiel des documents utilisés par l'anonyme sont des sources grecques, et notamment des chroniques byzantines. L'un de ses arguments pour affirmer cette dépendance à des sources byzantines, qui n'est pas le seul, ni le plus puissant, me paraît être néanmoins d'une part un cas exemplaire et d'autre part un cas amusant, et je ne résiste pas, puisque j'en ai encore le temps, au plaisir de le mentionner. Il s'agit du problème des rotules de Zénon. L'empereur Zénon, un soudard isaurien porté à la pourpre impériale, règne de 474 à 491. L'anonyme rapporte qu'il pouvait courir très vite parce que ses rotules n'étaient pas attachées à ses genoux. C'est pas ce qu'il entendait exactement par là, ni comment il se représentait les choses, mais c'est ce qu'il semble nous indiquer. Or, cette mention n'est pas isolée. Dans une autre chronique, elle aussi italienne, mais plus tardive, celle d'Agnellus de Ravenne, au IXe siècle, Zénon n'a carrément pas de rotule. En fait, cette allégation probablement fantaisiste, ne peut se comprendre que si on suppose l'influence d'une source grecque. Dans les chroniques byzantines, on ne trouve aucune trace de cette particularité physique de Zénon. En revanche, on trouve des informations précieuses sur son caractère, et l'un des traits de caractère de ce personnage volontiers colérique et cruel est son inflexibilité. Or, l'un des adjectifs que l'on pouvait employer en grec byzantin pour évoquer ce trait de caractère, c'est l'adjectif agonatos. Agonatos, celui qui n'a pas de genoux, et donc parce qu'il n'a pas de genoux, ne peut pas plier les jambes, ne peut pas fléchir, donc quelqu'un qui est inflexible. Mais ce sens du mot relativement récent en grec byzantin, n'étant pas connu en Occident à une époque où, de toute manière, cruel écho de mon cours d'histoire littéraire, la connaissance du grec se réduit de manière sensible, eh bien, quand on découvre le texte, on donne au mot son sens étymologique, agonatos, préfixe privatif, agonatos de gonu, dépourvu de genoux, ce qui permet de donner ensuite libre cours à une imagination débordante. Bon, outre ce détail amusant, Michel Festi, de manière un peu plus sérieuse, relève bien d'autres points de contact avec des chroniques grecques des 6e et des 7e siècles, celle de Malalas, celle de Jean d'Antioche, les anecdotes de Procope. La convergence n'est jamais parfaite, parce qu'il s'agit probablement d'une ou de plusieurs sources communes à l'ensemble de ces textes, qu'ils soient occidentaux ou orientaux. Mais, disons, il s'agit de sources non exclusives.
Dans ces conditions, à savoir une inspiration provenant essentiellement de sources byzantines, il serait fort étonnant que notre chroniqueur n'ait eu recours à Suétone que pour une anecdote unique. Ce qui m'a permis de résoudre cette aporie, c'est une découverte que j'avoue devoir au hasard. Il s'agit d'un hadith. Les hadiths, ou plutôt les ahadiths, c'est-à-dire c'est le pluriel, hein, c'est un récit oral rapportant les actes et surtout les paroles du prophète, subsidiairement actes et paroles des quatre premiers califes, voire de personnages postérieurs, parfois des califes de l'époque omeyyade, et plus encore, à vrai dire, hein, de l'époque abbasside, jusqu'à peu près au temps du calife Harun al-Rashid, à la fin du 8e, début du 9e siècle. Ces textes reposent sur des transmissions orales et n'ont été mis par écrit que tardivement, à peu près 2 siècles après l'Égir, à une époque qui correspond peu ou prou à celle de la Renaissance carolingienne. C'est intéressant de voir que le renouveau de l'écrit en islam et en Occident se fait à peu près au même moment, à gros traits. La caractéristique formelle du hadith, c'est la chaîne de garant qui permet d'en établir l'authenticité et de remonter toutes les époques qui s'intercalent entre l'événement qu'on relate et celui de et le moment de la mise par écrit. Ça donne des choses extrêmement sèches, hein, du style X m'a dit, Y m'a dit, Z m'a dit. Faites ça une quinzaine de fois, puis ensuite le récit à proprement parler commence. Voilà ce qu'est la chaîne de garant. Et il appartient, dans la tradition islamique, aux savants, c'est-à-dire aux ulémas, d'en faire la critique d'authenticité sur différents critères, notamment la fiabilité des transmetteurs, ce qui a mené à la fixation de plusieurs canons du hadith, différents notamment pour l'islam sunnite et pour l'islam chiite. Le texte qui nous intéresse jouit d'une très faible fiabilité. Il ne concerne d'ailleurs pas directement Mahomet, mais deux des quatre premiers califes, Omar et Ali. Il apparaît pour la première fois, à ma connaissance, mais ça demanderait vérification, chez Aboul Faraj ibn al-Jawzi, qui est un théologien bagdadi du XIIe siècle, qui nous a laissé une œuvre prolifique dans tous les domaines, théologie pure, exégèse coranique, prédication, histoire et surtout science du hadith, sur laquelle il nous a laissé de nombreux traités et compilations. Toutefois, l'extrait qui nous intéresse ici n'est pas tiré de ses travaux érudits, mais d'une œuvre de théologie morale, pas très amusante en vérité, Dham al-Hawa, c'est-à-dire le blâme de la passion d'amour. Œuvre austère s'il en est, et qui n'a d'ailleurs jamais été traduite en français. On n'en connaît qu'une édition arabe non scientifique. Fort heureusement, l'extrait qui nous intéresse a été cité par la suite par un autre compilateur. La compilation est quelque chose de fondamental dans la littérature arabe. Un autre compilateur beaucoup moins illustre, Abdelrahim al-Harrani, qui vivait probablement vers le XIVe siècle, dont on ignore tout de la vie et jusqu'à la forme exacte du nom, mais qui nous a laissé une œuvre beaucoup plus aimable que l'austère blâme de la passion d'amour, à savoir Les Ruses des femmes, série de contes. Ils sont censés montrer ce qu'indique son titre, sans esprit de condamnation apparemment.
Ce texte, pour sa part, n'a jamais été édité, mais fort heureusement, il a été traduit directement de l'arabe d'après un manuscrit de la Nationale par le regretté René Khawam, incomparable spécialiste des contes arabes, et c'est dans sa traduction que je résume ici le texte. Dans les rues de Médine, un jeune homme interpelle le calife Omar, c'est-à-dire le deuxième successeur du prophète, qui règne de 634 à 644, le grand conquérant, conquérant du Proche et du Moyen-Orient. Et le jeune homme lui crie « Ô toi, le plus juste des justes, règle en toute vérité le différend qui m'oppose à ma mère. » Alors Omar le fait comparaître, lui demande quel est son grief, et il répond « Ô émir des croyants, elle m'a porté 9 mois dans son sein, elle m'a allaité pendant 2 années complètes avant de me sevrer. Puis je me suis développé, j'ai grandi, elle m'a chassé et m'a renié. » Omar fait venir la mère. Elle arrive accompagnée de 4 frères, ses tuteurs apparemment, elle doit être veuve, et accompagnée de 40 témoins. Elle est par ailleurs issue de la tribu Quraishite, c'est-à-dire la tribu du prophète. Tribu illustre. Le calife demande au plaignant d'exposer ses arguments. Et le jeune homme dit « Par Dieu, ô émir des croyants, c'est ma mère. Je n'ai jamais ouvert les yeux sans la voir penchée sur moi. » Il réitère 2 fois encore ses déclarations. On demande à la femme de s'expliquer. Sa réponse est magnifique. Elle est marquée par une phraséologie aussi superbe que son propos est mensonger. « Par le droit de celui qui s'est caché dans un vêtement de lumière, aucun de mes yeux ne l'a vu. » Par le prix de Muhammad l'élu, que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur lui, j'affirme que je ne connais pas ce jeune et que j'ignore de qui il est issu. Il veut me déshonorer dans ma tribu, ce qui est d'autant plus grave que c'est la tribu Quraishite. Je suis une fille pucelle et je n'ai pas encore pris d'époux. Alors Omar rend son jugement, vous allez être surpris, saisissez-vous de ce jeune homme et jetez-le en prison. Autrement dit, Omar juge en droit, la femme a 40 témoins, le jeune homme n'en a pas, c'est donc lui qui a tort, c'est un jugement conforme à la coutume, mais ce n'est pas un jugement sage. La sagesse, pas la première des qualités d'Omar, la première des qualités chez lui, c'est la vaillance. Autrement dit, l'anecdote semble changer par rapport à ce que nous avons observé chez Suétone et chez l'anonyme de Valois. Mais, rassurez-vous, elle n'est pas terminée. Sur le chemin de la prison, le cortège rencontre Ali, le cousin et gendre du prophète, qui n'était pas encore le calife qu'il allait devenir, de 656 à 661, après la mort d'Omar et le règne d'Othman. Mais il jouissait déjà d'un grand prestige en tant que parent de Mahomet, en tant aussi que chef de la prière, c'est-à-dire en tant qu'imam. Le jeune homme le voit et lui crie « Ô cousin de l'envoyé de Dieu, j'affirme par Dieu que je suis injustement traité. Omar a ordonné de m'emprisonner. » Immédiatement, Ali le fait reconduire chez Omar et demande aux parties, aux témoins, de réitérer leurs paroles. Puis il demande respectueusement à Omar l'autorisation de porter une sentence, ce qui lui est accordé. Et il s'exclame « Aujourd'hui, je vais apporter un jugement qui puisse être agréable à Dieu au-dessus de son trône. C'est le fruit de l'enseignement que j'ai reçu de l'envoyé de Dieu. » Ce qui est très amusant, c'est que c'est à peu près ce que dit Théodoric chez Guérin de Bouscal. Mais pour le coup, les textes ne communiquent absolument pas entre eux. Il ajoute « Je témoigne devant Dieu, devant son envoyé et devant les musulmans qui sont ici présents, que je marie cette femme et ce jeune homme, avec pour dot 40 pièces d'argent qui seront versées au comptant prélevées sur ma fortune personnelle. » On fait venir la dot, on la remet au jeune homme
en lui ordonnant de la donner à sa femme et de partir avec elle. Ce qu'il s'apprête à faire, alors la femme crie « Protection, protection, ô cousin de l'envoyé de Dieu, vas-tu m'obliger à épouser mon fils ?»« Par Dieu, oui, ce jeune homme est mon fils. Mes frères m'ont donné en mariage à son père. J'ai mis au monde cet enfant. Son père étant décédé, mes frères m'ont ordonné de renier l'enfant et je leur ai obéi pour obtenir leur agrément. J'affirme par Dieu que c'est mon fils et il ne saurait trouver nulle part d'affection plus tendre que la mienne. » Ce qui n'est pas forcément une hypocrisie de ça. Elle était dans une situation très délicate, cette femme. Alors Omar déclare « Dieu est le plus grand », c'est-à-dire la même chose que ce qu'a dit Théodoric chez Guérin de Bouscal, dit autrement. « S'il n'y avait pas eu Ali, Omar aurait perdu tout espoir de préparer son bonheur dans le monde des fins dernières. » On le voit, l'histoire est différente de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Elle s'est complexifiée par rapport à ce qu'on a observé chez Suétone et chez l'anonyme, notamment parce que le jugement s'est fait en deux temps. Dans le but apparemment de faire ressortir la sagesse de Ali au détriment de Omar. Mais ce qui est important, c'est qu'elle repose exactement sur la même amplificatio par rapport à Suétone que l'anonyme de Valois. Il y a plusieurs détails présents dans l'anonyme et dans ce hadith qui ne se retrouvent pas chez Suétone. En voici quelques-uns. Premièrement, la femme, comme dans la chronique anonyme, chérit son enfant dans son cœur, mais elle le renie sous la contrainte. Contrainte de son fiancé dans un cas, ça c'est l'anonyme de Valois. Contrainte de ses frères dans l'autre, ça c'est le hadith. Deuxième point. La motivation de ceux qui exercent cette contrainte est une motivation pécuniaire. Il s'agit de capter un héritage par mariage dans un cas et dans le second par héritage, puisque en droit islamique, s'il n'y a pas d'enfant ni de proches parents du mari décédé, l'héritage revient à la femme, donc à ses tuteurs légaux, c'est-à-dire en l'occurrence à ses frères. On conviendra donc que ces deux textes comportent trop de similitudes entre eux pour pouvoir dépendre l'un et l'autre directement de Suétone. Ce qui, de toute manière, aurait été fort peu probable au vu de ce qu'on sait de la circulation des vues de Suétone, puisque, comme je l'ai dit récemment à mes élèves, après l'avoir appris de Pascal Bourguin, à l'époque des Ginards, au IXe siècle, il ne restait qu'un manuscrit des vies de Suétone, et il était consulté à Fulda, en Rhénanie. C'est un peu éloigné de Bagdad, pour l'époque en tout cas. Par ailleurs, il est évidemment exclu, au vu de ce que j'ai exposé de la tradition manuscrite de l'anonyme de Valois, de supposer que ce texte ait circulé en Orient, au Moyen-Âge. En d'autres termes, on est contraint de supposer que l'anonyme et le hadith tirent directement ou indirectement leur source d'un même texte, probablement inspiré, directement ou indirectement, de Suétone. Quel pouvait être cet intermédiaire commun à l'anonyme et au hadith ? On entre ici dans le domaine des hypothèses et il convient donc de ne pas s'y aventurer trop loin. Mais avouons qu'une chronique ou un conte byzantin serait un parfait candidat pour fournir ce chaînon manquant. Ça correspondrait d'une part à ce que l'on sait des autres sources de l'anonyme de Valois, à savoir des chroniques orientales, constantinopolitaines, syriennes aussi. S'ancrerait d'autre part dans un mouvement qu'on connaît bien maintenant depuis les travaux pionniers d'Edmund von Grünbaum et de Dimitri Goutas,
à savoir l'appropriation de textes sapientiaux grecs par les cultures proche-orientales, syriaques et chrétiennes dans un premier temps, arabes et musulmanes dans un second. Mais je commence à avoir assez parlé et il convient de conclure rapidement. Avouons tout haut, pour commencer, ce qui est une évidence, ce relevé qui repose en partie sur des découvertes fortuites ne saurait être exhaustif. Il faut probablement s'en contenter pour l'heure, mais il a tout de même permis de tirer quelques enseignements. J'insisterai donc en conclusion sur deux ou trois points qui me tiennent particulièrement à cœur et que je n'aurai que rarement l'occasion d'évoquer dans mes enseignements. Le premier, c'est l'importance de la confrontation entre les textes issus de différents domaines linguistiques, ce qui évidemment suppose des compétences linguistiques. Mais en passant par un domaine extérieur, on résout parfois des problèmes internes de transmission, comme j'espère l'avoir montré en allant chercher un hadith pour résoudre la question de la transmission de l'anecdote de Suétone jusqu'à l'anonyme de Valois, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même domaine linguistique. Deuxième point, la nécessité dans la confrontation des textes, surtout lorsque l'on a à supposer une traduction à un moment donné ou à un autre. La nécessité, disais-je, d'être attentif aux interfaces linguistiques qui permettent souvent de restituer le maillon manquant d'une chaîne rompue. Enfin, troisièmement, l'importance de fréquenter les auteurs mineurs et même les textes anonymes. Évidemment, ça ne met pas toujours le chercheur en valeur. Et je le sais bien pour avoir été gratifié pendant quelques années dans certains palais académiques du sobriquet de Mérobaude. Autrement dit, certaines pratiques de l'Académie palatine carolingienne se poursuivent jusqu'à nos jours. Mais les minoresses sont souvent plus révélateurs que les génies du goût et de la culture d'une époque. Ils offrent par ailleurs des champs de recherche souvent vierges, ou peu s'en faut, et c'est un domaine que je ne saurais trop inciter les élèves de l'école des Chartes à fréquenter assidûment dans leurs travaux de recherche. Je vous remercie infiniment de votre attention patiente et bienveillante.